broken-hearted man. My life seems so misery. Vous connaissez Cheval de Guerre, le film Cheval de Guerre, certains? En fait, on a vu un extrait. Hein. D'accord, bon. Vous comprenez le sujet. Voilà. C'est l'histoire de cheval pendant la Première Guerre mondiale. Et alors, on peut imaginer que le début de l'histoire, la première scène, ça se passe à la campagne, et, avec des petits animaux, là. On va mettre un cheval, quand même. Hop. On va mettre quelques arbres. Voilà. Et puis, surtout, on va mettre un jeune fermier, et puis une route, et puis il y a. C'est l'armée, là, hop, qui vient réquisitionner le cheval. Et donc on a un bonhomme qui vient. Un gars de l'armée qui vient expliquer tout ça. C'est ce qu'on appelle. On peut appeler ça un plan général. Et un plan général va nous permettre, par rapport à notre histoire, de situer l'action. Voilà. On sait où se passe l'histoire. On est à la campagne. Okay. Un plan général va nous permettre de donner aussi d'autres informations, parce que c'est le but, en fait, de donner toujours un maximum d'informations au lecteur. Et on peut avoir, par exemple, la météo. La météo, ça va jouer sur plusieurs points. L'ambiance, vous voyez, là on va raconter cette histoire de départ, où on vient chercher notre héros là, il va devoir abandonner son cheval, une ambiance plutôt pesante, voilà, on peut mettre la pluie, etc., pour apporter à cette ambiance lourde. Et la météo va aussi nous permettre de jouer, d'expliquer le temps qui passe au fil des scènes. Si j'ai une première scène, alors une première scène, ça peut être, on va dire qu'on va faire ça en 3, 4, 5 cases, ça va se passer comme ça sous la pluie. La scène d'après, on suivra l'histoire de mon cheval qui arrivera sur les champs de bataille. Pour montrer que le temps qui passe, on pourra changer la météo. Le lecteur, il verra tout de suite qu'on est un autre jour. On peut de la même manière jouer avec les saisons. Ainsi, là, j'ai des arbres bien en fleurs, etc. Si la saison, la scène d'après, je mets de la neige, tout est en neige, etc. Pareil, le lecteur, il va comprendre, sans qu'on lui explique par des mots, il va comprendre que plusieurs mois sont écoulés. Oui. Comment, en fait, c'est très simple. Il faut jouer avec les ondes sur l'horloge incarnée. Pour montrer le plan qui passe, oui, voilà, on peut. En fait, on va voir. Il y a plein de manières d'expliquer, de donner l'information au lecteur, mais en intérieur, voilà, on peut montrer le calendrier, on peut montrer. Si on veut quelque chose de précis, on peut montrer un calendrier. Si on veut montrer juste le temps qui passe, on peut s'arrêter sur une plante qui fane. Drunken-hearted man.